profondément d'accord avec ce qu'on porte dans le parti, c'est-à-dire l'humain d'abord. C'est avant tout, comme mon métier, un prolongement de mes relations avec les hommes et les femmes de mon territoire. C'est-à-dire que je pense que c'est en dialoguant, c'est dans le relationnel qu'on pourra aller vers une médecine peut-être plus forte. Il y a de plus en plus cette médecine à deux vitesses, de toute manière, qu'on le veuille ou non. C'est que ceux qui n'ont rien ont accès aux soins primaires, c'est-à-dire à des choses basiques, et ceux qui ont tout ont accès à des cliniques privées, à des moyens plus importants pour la médecine. Et le PC prouve, et on peut prouver que l'accès à la médecine pour tous est possible dans notre pays. Qu'on habite dans le Cantal, qu'on habite à Paris, en banlieue, qu'on habite en Paris, intramuros, partout, on peut faire la démonstration que la santé peut être gratuite pour tous et qu'on peut la financer. Je pense que le parti aujourd'hui doit faire recréer de l'espoir pour les gens. On est dans une société qui détruit les égos, qui se met dans l'individualisme primaire. Et on est là pour dire que le Parti communiste peut engager la discussion avec tout le monde et peut recréer de l'espoir pour dire que c'est pas foutu la situation dans laquelle on est. C'est la résultante de choix politiques, mais c'est aussi nous-mêmes qui peuvent nous en extirper. Et je pense que c'est avec le Parti communiste qu'on y arrivera, de recréer de l'espoir, de dire qu'un autre monde peut être possible, un autre monde de commun, c'est le titre de notre congrès, le temps du commun, mais un monde où tout le monde peut vivre et surtout décemment.